What's up, my Sky to Bueno Maniac? Ici Sky Redemption pour mon fameux retour sur Facecam dans cet magnifique épisode qui est Mafia Definitive Edition. Ça commence! Vraiment, c'est excellent, les graphiques, vraiment le remaster, trop génial. J'ai pris un break de la cam à cause que, avec le travail, la famille, j'avais pas vraiment le temps, je vous ai fait des gameplays quand même. Mais c'est juste que j'avais ma frimo, c'était pas dessus. Mais je suis de retour et en pleine forme et content de faire des gameplays pour vous. On va encore faire ma petite touche comique dans mes commentaires. Mafia! Ça fait longtemps que je voulais le faire. J'avais essayé de l'avoir à sa sortie, mais il était en rupture de stock. Après ça, ben, la petite monnaie manquait un petit peu pour l'acheter, mais finalement, on y est. On va apprécier le jeu et j'espère que vous serez en ma compagnie. Comme que je vous disais, les graphiques, c'est vraiment extraordinaire. C'est sûr que on est pas mal dans les années 50-60. Mais ça donne un style au jeu aussi. J'ai fait Mafia 3, qui était vraiment excellent. Le 2, je ne l'ai pas fait encore, mais vu que le remaster est arrivé pour celui-là aussi, on va probablement se le faire. Fait que là, on va savoir où c'est que tout a commencé dans le premier opus de la série. My God! Et c'est vrai que les voitures sont vraiment... C'était un chef-d'œuvre dans ce temps-là, tu sais ça. Sur les voitures d'Astor, c'est tout fait en plastique. Tu fous un coup de botte au bumper, puis ça vient de te coûter 5 000$, là, tu sais. Ils ont tout enlevé le charme de ce que les voitures du temps avaient. Mais grâce à des jeux comme celui-ci, on peut le redécouvrir. Quoi que notre aventure va finalement commencer. Ben, en tout cas, je l'espère. Ok, la femme est débattue avec la mallette. Je sais pas vraiment si c'est lui qu'il faut qu'on s'occupe de présentement. Ben... Oh. C'est toi, Tommy. Ouais. Tom Angelo, inspecteur Norman. Tommy Angelo. Y'a que toi? Y'a aucun flic qui viendrait dans ce rat, sauf s'il bosse pour les services de l'hygiène. Alors, je vous sers quoi? Un café pour moi. Merci. Ah, je vous sers quoi? Un petit whisky. Non, merci. Comme tu veux. Donc... Au de quoi téléphone, on parle? Tu disais que exactement. T'avais une proposition pour moi. C'est ça. Écoute, si tu cherches un ripou qui trempe dans des trucs louches, t'es mal tombé. Je cherche pas à me mettre en affaire. Bien. J'ai rien à partager. Ok, le détective, il est un peu... Je peux même pas payer ce café. Et j'ai quelques infos intéressantes. Ok, je t'écoute. T'es dans cette ville depuis quand? 3 ans. J'ai fait mes armes à Empire Bay. 3 heures pour réussir. Et t'as refilé la ferme Morello. Comme ça, directement. C'est ce qu'a dit la presse, oui. Et c'est quoi le rapport? Ouais, pas de chance. L'enquête doit piétiner alors qu'il est, non? Pourquoi? T'as quelque chose de neuf pour moi? Ouais, ça se pourrait bien. Et tu veux quoi en échange pour ces infos? De l'argent? Ou bien une espèce d'immunité? Non, je m'en fous de ça. J'ai des personnes à protéger. Oh. Ah, la famille. C'est toujours le talon d'Achille, pas vrai? Bon, de qui on parle? Une vieille maman ou alors une femme et une chier de marron? Ma femme et ma fille. Et j'imagine qu'il y a personne d'autre pour s'en charger. Je serai pas là sinon. C'est moche. Mon vieux disait très toujours moche. Qu'un homme a besoin d'amis s'il veut survivre dans ce monde. Ça, c'est pas tout le temps vrai, ça. Bah, dans mon monde,
C'est un peu l'inverse. Pourquoi je suis pas surpris? Bon, je peux rien promettre pour ta famille. J'ai d'abord besoin d'entendre ce que tu as. Donc, t'es prêt à parler? Il va avoir nos informations, mais il veut rien nous donner, il peut rien nous promettre. Pour te buter. Parce que tu crois que je suis en cavale? Oh, je le crois pas, je le sais. Merde, regarde-toi. T'es essoré, ça fait des jours que t'as pas dormi. Et tu vas te choper un putain de torticolis à force de regarder derrière toi. À vue de nez, je dirais que t'as quelqu'un de coriace et puissant à tes trousses, et pas du genre à abandonner, pas tant que tu respires. My God. Tu passes cette porte sans moi, on sait tous les deux que tu fais pas 2 mètres sans prendre une balle. Mais si tu restes ici et que tu racontes ta jolie petite histoire, va savoir, peut-être que tu vivras assez vieux pour voir ta fille se marier. Là, il mériterait peut-être avoir mon poing sur la gueule. Dans tous les cas, je suis bon pour te payer un café. Bah, moi, on n'ira pas en prison parce qu'on n'a pas pu payer notre café. À mal tourner. Personne ne voit jamais rien venir avant que ce soit trop tard. J'imagine que t'es pas né dans le milieu, je me trompe. Non. Pas du tout. J'étais taxi, ça remonte aux années 30. Oh, il était taxi? What the fuck, man? Tu t'as voulu faire là? T'as enrôlé dans la mafia? Ouais, ça donne un style au jeu. Ouais. Bon, ça a l'air que c'est comme ça que son histoire va commencer. C'est surtout de nuit, ça rapportait plus. Ce jour-là, je venais de terminer. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur Polly et Sam. Oh, une poursuite qui a mal tourné! Ouais, j'avoue que ça commence bien. On est déjà dans l'action dès le début. C'est vrai que c'est vraiment dans le vieux style de la mafia. On se croirait qu'il se met avec Al Capone. Puis, Attention! Relève-toi, Polly! Il y a un taxi là! Come on, man! Taxi est là! Toi, démarre! Allez! À vos ordres, monsieur! C'est parti! Où est-ce qu'on va? On s'en fout. Roule! Oh, yeah! Ah, en plus, c'est nous autres qui drive! J'ai un flingue pointé sur toi. S'il nous rattrape, on est mort, mais tu t'en sortiras pas non plus. Eh, hey, je veux pas d'emmerde, moi! Eh, hey, on se calme, man! C'est un peu tard pour ça. Roule! Mais comment ils ont pu savoir qu'on serait là? On s'en fout maintenant, il faut qu'on les sème! Ah, on a combien de voitures au cul? Ah, on fait notre possible, là. Mais ça va pas durer. Accrochez-vous, je vais tenter quelque chose. Oh. C'était qui ces gars? Ça a l'air qu'on s'est conduit. Question. Hein. Il faut traverser le fleuve. Prends le pont de Giuliani. Bon, d'accord. Ouais, mais comptez. Maniabilité. Ça fait mal de chien. Quand on rentre, j'irai chercher le doc. Les voitures se contrôlent pas trop bien. Ça va peut-être s'arranger. Ouais, on s'est roulé qu'on part en cours pour pogner le tour. Hey, je te vois en train d'écouter le taxi. T'as pas le droit d'écouter. Non, j'écoute pas, je m'occupe juste de vous conduire où vous voulez. C'est, il veut pas que j'écoute, mais il est à côté de moi. What the fuck, man? Donne-moi des earplugs. Bon, on est au fleuve. Où est-ce que je vous emmène après le pont? Tu m'emmerdes avec tes questions à la con. What the fuck, man? Tu sais, je te demande aussi que tu vas aller, puis tu me dis que je t'emmerde avec tes, avec mes questions. Voilà d'autres. Oh, merde! Bon, mais on pose dans le tas, et chou! My God! Ça doit en faire du dommage. J'espère qu'ils vont payer les dommages du taxi. Comme tu veux, mais sème-les. Ok. On va tenter quelque chose! Bah, y'en a un qui est parti au moins. Non, pas tous! Ces types vous aiment pas beaucoup, on dirait, hein? Non! Bah, on est en train de scraper notre propre voiture. C'est les affaires! Ferme-la, Polly. Mieux vaut qu'il en sache pas trop s'il veut voir le jour se lever. Vous en faites pas, messieurs, j'ai rien entendu. Bah, c'est sûr, j'aurais probablement dit la même chose. Pour pas me faire. Liquider, on pourrait dire. Je dois dire que t'es un sacré pilote quand même! Oh! Merci, man! En fait, un compliment! Ça fait toujours plaisir quand notre travail est apprécié.
my god! Faut-tu vraiment qu'on saute ça? Putain, mais qu'est-ce qu'on fait? On s'accroche! Bye! J'avais jamais fait ça avant. Moi non plus. Bon, maintenant, Little Italy. T'as pas fini ta course. Oh! Finalement, de donner une destination, on va à Little Italy. Tu as tout balancé? Je crois que tu devrais la fermer. Et qu'on en reparlera quand on sera au bar. Ok. Ça veut dire on ferme notre gueule et jusqu'au bar. On va me payer une petite drink au moins après ce qu'on a vécu. Très bien. On approche. Gare-toi devant le bar. Le bar oui, de Salieri? Ouais, celui-là. Attends ici. Pourquoi faire? Quoi? Tu veux pas que le Don te remercie? Bah, ça dépend de quelle façon. Ah! Me remercier, oui. Un dédommagement, oui. Une balle en tête, non. Au moins, ils sont rentrés sains et saufs. Pas sûr qu'ils auraient réussi sans notre aide, par exemple. Là, ça commence à être un petit peu stressant. Et là, je sais pas si je devrais m'inquiéter. Oh oh! Ah, t'es sérieux, man? Je vous ai aidé, moi, là. Ouf! Ça, c'est pour te remercier de tes services. Et pour réparer ta caisse. No problem, man. Comme ça, on est quitte. Pour être quitte, c'est sûr qu'on est quitte. Ouais. Don Salieri veut que tu saches qu'il est très reconnaissant. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit, comme un prêt ou un travail honnête, hésite pas à demander. Cool. Le Don n'oublie pas ses amis. Ouais, ok, merci. Une dernière chose. Cette histoire reste entre nous. Si on te demande d'où vient l'argent, tu l'as gagné au poker. Et pour l'état de ta bagnole, t'as juste fait une embardée pour éviter une vieille, pigé. Ok. Ouais, pigé. Ah, ces trous de balles, c'est quoi que ça a fait? Plus tard, petit. Ça fait une grosse somme, par exemple, qu'on aurait gagné au poker. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai frôlé la crise cardiaque. Il y avait assez pour réparer le taxi, même pour en acheter un nouveau. Oh my god! Moi, tout, j'aimerais savoir une belle liasse d'argent comme ça! Ça m'intéressait pas. Bah, pas mal n'importe qui voulait. Il y avait du fric à se faire, c'est sûr. Je voulais pas fricoter avec des criminels. Mieux vaut être pauvre et vivant que riche et mort. Donc, pour mais moi, d'accord avec lui. C'était clair. Je marchais pas. Mais faut croire qu'au final, il a marché quand même. Oh, chapitre terminé. Une offre qui ne se refuse pas. Le fuyard, 1930. Après la virée nocturne avec les gars de Salieri, je me suis remis au boulot. Mais c'était pas pareil. Quand on est taxi, on passe pas mal d'heures avec ses pensées. Et avec les pensées des autres. Ça, c'est sûr, faut les écouter. Plutôt. Vous, là, taxi. Oui, madame. Oui, madame. Vous conduisez ou vous lambinez? Je conduis, madame. Là, pour dire un petit peu les deux, là. Alors, on va où? L'église Saint-Michel, et vite. Oui, madame. C'est parti. Et soyez prudent. Je suis toujours prudent au volant. Vous seriez bien le premier. Ah, madame, soyez poli, hein. Mm.
juste envie de rentrer le texte à quelque part qu'elle peut se péter la tête, mon siège. Sur ta page, je ne m'entends plus passer. Non, mais ta gueule, vieille gribiche! Ben, voilà, j'étais à ben. C'est mieux. J'écoutais de la bonne musique, là. Puis c'était la vieille Chris, là. Alors, vous allez à l'église? Femme pas sa gueule. On est déjà dimanche? Regardez la route, s'il vous plaît. J'aurais juste envie de lui foutre une baffe. T'sais, juste pour lui remettre les idées en place un peu. Ouais, c'est quoi qui arrive là? Elle nous fera pas la conversation pour rien du tout. Ben, malgré que... C'est mieux ça que de se faire écœurer par une vieille grébiche. Bon. En plus, on était obligé de mettre un régulateur de vitesse. Qui êtes-vous? Même taxi que les autres, si tu veux qu'on soit, tu sais. Si que la vieille grébiche la ferme pas, ben les cloches de l'église vont sonner son enterrement en place. Arrêtez-vous là, près du parc. Bon, débarque de mon taxi. Et voilà, Saint-Michel, ça vous fera 30 cents. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter de fumer dans votre taxi. J'ai l'impression de sortir d'un cendrier. Ben, ça, je suis d'accord avec elle. Ouais, d'accord, ouais, si vous le dites. Moi qui est déjà qui est non-fumeur, y'a personne qui fume dans ma caisse. Ces Italiens, tous les mêmes. Je peux pas conduire sans la radio. Ben, on va la foutre en marche. Allez, là, il me faut une course. Ben, c'est sérieux, notre mission pour le moment, faut qu'on se trouve des personnes à transporter en taxi. Ouais, c'est vrai que c'est plus relax. T'sais, mettons, côté taxi, j'aimerais mieux, des Simpsons hit and run. Hein, ce serait pas pire qu'on pourrait faire ça. Là. Ou Crazy Taxi. Fonge dans tout ce qui bouge pour gagner des points. Tu sais, il faut se donner des idées, là, quand même. Hey, le tramway! Viens pas sur moi, connard! Hey, ça, je crois que c'est la fameuse voiture qu'on a eue avec le package de précommande. Quand j'ai installé le jeu, j'ai aussi installé un code. Ça m'a donné une belle habille. Une belle voiture, en plus d'un fusil plaqué or. C'est top shape. La galerie d'art, en vitesse. Ça roule, je connais ça la vitesse. On a 2 minutes à se rendre. Ça c'est quoi qui arrive, on fait... Non, pas vraiment. On fait la mission dans le temps qu'on manque de temps. Contentez-vous de ça. Non mais on a pogné juste des trous de cul, tu sais quoi. Regardez-moi ça. C'est le trésor des gens paresseux. Ça leur donne une excuse pour rien faire. S'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Il y a toujours du boulot, faut juste le chercher. Ouais, je vois, vous êtes un homme occupé. C'est vrai que ça se fait rare de nos jours. Je savais que la Grande Dépression nous tomberait dessus. J'ai donc pris certaines dispositions. Des dispositions pour profiter de la crise? J'ai un rendez-vous d'affaires avec un collègue. Enfin, qu'est-ce que vous y comprenez? Quand vous trouverez un vrai métier, vous saurez de quoi je parle. En attendant, vous contentez-vous de conduire. Ouais, ouais. J'ai pigé. Ouais, j'ai pigé. On va piger, mais quand même, mon point, ça aille. Il nous reste juste 50 secondes. En espérant qu'on se rende avant que le temps. Run the time's out! J'espère que mes nouveaux abonnés vont apprécier de enfin pouvoir mettre une face sur qui est Sky Redemption. Merci l'ami, voilà 50 cents. Allez pas tout dépenser d'un coup. Ah ben. Je vais essayer, ouais. Au moins, on m'a donné un petit bonus. On a eu 30 cents, on a eu 20 cents de plus. Je tombe que sur des trous du cul, moi, aujourd'hui. Oh yeah, man!
C'est justement allez, ça que j'avais dit. C'est tous les trous du cul. Fucking asshole. Excusez, je suis laissé emporter par la musique. Oh, merde, vous avez une sale gueule. Eh ben, je bosse depuis 5 heures. Et vous, c'est quoi votre excuse? Je picole. Ça m'étonne pas. Moi, j'ai une sale gueule, puis toi, t'es sous, Ignacin. Italie, 21ème rue. Bon, je dis pas aux flics que vous puez l'alcool, et vous leur dites pas pour les excès de vitesse. On fait comme ça? Non, mais avance, man! T'en souhaites un, hein? J'ai conclu. Et on change, on n'a pas de temps pour cette petite course-là? Ouais, un peu. Mais on en a jamais assez. Les gens ont plus de fric pour prendre le taxi depuis la crise. Bah, tu le prends, toi. Merde. La seule raison qui fait que je prends le taxi, c'est parce que je suis sous. La seule raison qui fait que je prends le taxi. Les flics voient les taureaux tous les jours. Ce qu'ils veulent, c'est ceux qui refourguent. Certains sont allés en cellule pour moins que ça. C'est clair. S'ils peuvent vous prendre le peu que vous avez, ils le feront. Ah, ça c'est sûr. Cette vie est rongée. Ils vont vous aller jusqu'à la dernière scène. Comme moi j'ai ma paye, puis je la donne tout de suite. Pas le choix quand t'as des billes à payer, tu sais. Toi, t'es pas gratis dans la vie, là. C'est sûr que je ferais pas une job de taxi, par exemple. Bon. On arrive à destination. J'espère qu'il y a de quoi payer, au moins. J'espère qu'il n'a pas tout dépensé dans son alcool. On y est presque. Continuez jusqu'à l'angle, s'il vous plaît. Hey, mon cousin a un stand de café pas très loin. Dites-lui cool. Que Lucio vous envoie. Lucio, Faccio. Merci, je le ferai peut-être. Ah ben là, on attend quelqu'un qui pourrait donner une commission. What the fuck? C'est quoi ce bordel? Ben non, je suis censé me souvenir de toi. Hein? My God, on est en train de manger une volée. Hein? Monsieur Morello est pas content. Wow. Qu'est-ce qui t'a pris d'aider les types de Salieri, hein? Ok, là, je commence à dire. Maintenant, je vais devoir te dérouiller pour pas que t'oublies qui c'est le boss de cette ville. Après ça, tu tricoteras plus des guibolles comme avant. J'aime bien ce gars. Pour une fois, on s'amuse. Et on se le fait. Oh oh! Yes, sir, c'est une autre qu'on sacre notre cas d'essai. D'accord, ça va. Bon! Et cours, et cours. Tu fumeras pas personne. Je crois qu'il veut me fumer les poils du cul. T'as-tu déjà marché? Eh, reviens ici, ok, je pars, viens, ben crève-moi, connard. Bonnes affaires, approchez. Bon. Faut juste qu'il faut qu'on sauve, là, mais. Jusqu'à présent, ça se passe bien, au moins, ils ont pas réussi à nous rattraper. Bon. Ok. Oh, on a la cinématique. Attends un peu ça. Ben voyons. Et on va aller se réfugier sur Salieri. Ça va petit. Dino, Lou. Pas vraiment. Vous venez voir le Don? Non, non. On voulait juste parler au chauffeur là, c'est tout. Ah ouais? Ouais. Eh ben, c'est le chauffeur préféré du Don. Donc si vous voulez lui dire quelque chose, vous passez par moi. On a des fleurs en plus. Vraiment? Ce qui est sûr, c'est qu'on repartira pas d'ici les mains vides. Et peut-être même que vous allez pas repartir du tout. Oh oh oh! Ça c'est bien dit!
On en reparle plus tard. Viens, Lou. Y a rien à discuter, man. Tu sacs ton camp, c'est ça qui est ça. Merci. Tout va bien, ça. Allez, viens. On va parler au Don. Don Salieri? Ouais. Ça risque de l'intéresser, cette histoire. Ouais, ça je pense aussi. C'est là que ça a commencé, je crois, que on s'est fait recruter par la mafia. Chapitre terminé, le fuyard. On poursuit avec... Cocktail explosif. Toujours en 1930. Ouh, le grand patron Don Salieri. Tu t'appelles comment? Thomas. Thomas Angelo, monsieur. Franck me dit que tu as eu des soucis. Oui, monsieur. Mon taxi a salement morflé. Ben... Egan Morello s'en sont pris à lui, ouais. Parce que Tommy nous a aidés. Ce taxi, c'est ton gagne-pain? Oui, monsieur. Je me sens un peu responsable, tu sais. Donc, je te propose un petit prêt, juste de quoi retaper ton taco. Écoutez, je vous suis très reconnaissant, mais je suis pas là pour l'argent. Alors de quoi on parle? Je veux juste pouvoir me faire les salauds qui ont défoncé mon taxi. Ça va. Ah. T'entends ça, Franck? Le môme veut ma permission pour aller se castagner. Oui, j'ai entendu. Ok, Tommy Angelo. Tous les gorilles de Morello se retrouvent dans son bar. Poli, tu vois. Ouais, donne ma chance. Bien sûr, boss. Bien, tu peux accompagner Tommy. Il y a un parking à côté du bar où ils gardent leurs caisses. Va donc en défoncer quelques-unes pour passer le message à Morello. Non, pas vraiment. Je crois qu'il peut s'en prendre à des typonettes de mon quartier. Il se trompe. Merci, monsieur Salieri. Je vous décevrai pas. T'es mieux pas. Ben, on est mieux pas parce que c'est nous autres, Tommy. Et Tommy? Je me prends qui se met pour Don. À ton retour. On parlera de la suite pour toi. Oui, monsieur. Personne ne sait que t'es là. Alors vas-y doucement, d'accord? Ok. Faire le tour du bar. Ok. T'as pas fini de t'écraser l'arrêt. Oh, une petite lettre. Lettre à Salieri. Je vous laisse le plaisir de la lire. T'as trouvé quelque chose? Non. On lui donne un coup de main. À l'œil. C'est lui qui va conduire le boss. Tu mens à l'œil. Prohibition, here to stay. La prohibition vivra. Le 23 septembre 1930. Je me créais tantôt des années 50-60. On est loin d'être là, là. On est en 1930. Si. Oh, Lombardo. Une carte de cigarette. Bon, je crois qu'on va aller rejoindre Polly. Bon, je te laisse, faut que je file. Bon, viens par là. Je vais t'emmener voir Vinny d'abord. C'est la vista, baby. Il est jamais content, mais Franck et le Don le connaissent depuis toujours. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, on va le voir quand on a besoin de matériel. Ah, c'est là qu'il prend ses armes. Pour nous équiper en cas de pépin. T'sais, il aurait pu me donner un super suit. J'aurais été sexy là-dedans. Buongiorno, Vincenzo. Vincenzo. Ciao, Poli. Salut, man. Non, regarde-moi cette beauté. C'est qui, lui? Vinny, je te présente Tommy Angelo. Lui et moi, on est sur un coup. D'accord, très bien. Hey. Il vous faut des mitraillettes, des flingues? Non, il nous faut juste de quoi caresser 2-3 caisses. Oh, j'ai pile ce qu'il te faut. Classique, mais toujours efficace. Le classique bat de baseball.
si la batte te convient pas assez, j'ai quelques cocktails par ici. Oh my god. Aïe, aïe. Ça par exemple. Avec ces trucs. Va pas te cramer les cheveux du bas. Ravi de te rencontrer, Tom. Dis-moi si Paulie te casse les couilles. Je m'occuperai de lui. Il est pas gêné. Puis Paulie qui réplique pas pendant tout. Faut reviens voir plus tard si les gars t'ont pas dégoûté du boulot. Je te trouverai un pétard. Alfie est au garage. Il est un peu con. Mais bon, il est bon avec les caisses. Je sais pas comment il fait, ce débile. Mais les bagnoles ronronnent avec lui. C'est presque de la magie noire. Il a un talent particulier, c'est tout. Hé, hey, l'artiste! Alors, on n'en fout pas une secousse? Merde, Polly. Ça va pas te faire peur aux gens comme ça? Ah, je suis désolé, Ralphie, mais c'était vraiment tentant. J'ai vu ça, là. Je vois que tu boites toujours. Ça veut dire qu'on a deux éclopés qui bossent ici. Oh, je suis pas comme toi. Tu piges, Ralph. Ça, il l'a pas pris. D'accord, Polly, ouais. Tommy. Tommy Angelo. Salut. Comme je te le disais, Ralphie, c'est un éclopé. Mais si tu lui apportes une caisse volée, il la maquille, Lico. Tom et moi, on a un boulot à faire. Et on a besoin d'une caisse. Une bonne caisse. C'est tout pour l'épisode 1 de Mafia Definitive Edition. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Si oui, laissez le petit like ou le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et à la prochaine pour l'épisode 2. Un jour, je vais saboter ta caisse, salopard. C'est pas ce qui...